Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de l'oppressor. L'oppressor, qu'est-ce que c'est? C'est cette moto tout simplement magnifique qui nous ont sorti avec un petit boost. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a des petites ailes qu'on peut déployer pour planer un petit peu. C'est stylé. On va aller tout de suite la customiser pour voir ce qu'on peut rajouter sur ce véhicule. C'est parti, ensuite on ira voir si elle est résistante ou pas. Franchement, je pense pas. Hein. Je pense qu'une seule roquette, ça va suffire, pardon, à la faire exploser, hein, tout simplement. Ça reste une moto, il n'y a pas beaucoup de blindage dessus. Ok, ça va, on peut changer quand même pas mal de petits trucs. Ouais, rajoute un petit garde-boue. Réservoir. Ouais. Éclairage, phare xénon, d'accord. Motif. Ouais. Par contre, moi je vais. On voit rien en fait comme ça. Je vais juste vite fait. Hop. Ah, merde. Voilà. On y verra peut-être mieux comme ça. Tac, on va prendre celui-là du coup. Garde-boue arrière, on va le mettre aussi. Du coup, pour la peinture, on va mettre du rouge. Hop, secondaire. J'arrive pas à voir vraiment bien ce qui est pris en compte. Ah, ok, il n'y a pas grand-chose du coup. Hop, voilà. Tac, la selle. Ouais, on va mettre celle-ci. Ok, transmission, turbo, arme. Missile? Ah ouais. Sauf qu'on n'y a pas débloqué encore, malheureusement. Les roues. Est-ce qu'on change les roues? Oui, on va changer les roues quand même. Ah, moi je veux des roues simples par contre. Ouais. Comme ça, parfait. Du coup, c'était celle-ci. Tac, nickel. La couleur. Noir. De custom, on va pas y mettre pour le coup, ça fait un peu bizarre. La fumée noire, amélioration. Voilà, les pneus à l'épreuve des vals. Mec, qui sait plus parler. Hop, du coup, les pneus, ouais, on a fait le tour, c'est bon. Et eh ben, c'est good, nickel. Sortir du centre d'opération mobile. Voilà qui est bien. Alors du coup, on va tester quand même un petit peu la vitesse du véhicule. Et on va aussi tester ça. Et oui, regardez comment c'est magnifique. Wouh, un petit boost. Ah, c'est bon, hein, on plane. Hein. C'est plus facile de planer comme ça que planer en course en plus, hein, franchement. On va beaucoup moins loin et on peut pas planer à l'infini. Après, on est obligé de finir par redescendre, mais ça va, ça reste vraiment stylé, quoi. Hop, on reprend de la vitesse, on redécolle un petit peu. Ah non, on va prendre de la vitesse. Joystick vers l'avant. Bam, on tire vers l'arrière. On booste. Oh, c'est vachement stylé. Je vais me rapprocher un peu du QG et on se laissera là-dessus, on explosera la moto pour voir à combien de roquettes elle résiste. Ouais, c'était pas mal ça, on a touché un petit peu la colline là, ça nous a remis le boost. Ah, mais franchement, on peut faire des trucs stylés. Hein. On peut vraiment faire des trucs stylés avec cette moto, c'est vraiment incroyable. Regardez la vitesse à laquelle on est arrivé jusqu'ici, quoi, c'est fou. On était à peine à la sortie de la ville et on est déjà au QG, enfin au bunker. C'est magique, c'est incroyable.
Du coup, on va se poser là, tranquillement. Hop. Les petites ailes qui se rétractent automatiquement. Et ouais, c'est ce qui me semblait. Une roquette suffit à l'exploser. Bon, ben voilà, les gars, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye.